Amigo, 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 comment est-ce que ça va aujourd'hui, hein? Si, ça va, señor. J'espère que vous allez bien, les gars. Purée, et décidément, j'ai l'impression que je vais jamais en finir avec ces vidéos entre ces deux enceintes. Tu sais pourquoi je fais ces vidéos-là? Eh bien, parce que je veux revendre les Magnat et les Zeltax. Mais pour cela, bah, faut que je finisse tous mes comparatifs, en fait. Comme ça, une fois que j'ai bouclé la boucle. La boucle sera bouclée et puis voilà, je pourrais passer à autre chose parce que j'ai bien d'autres enceintes, bien sûr plus merveilleuses que ça, hein, parce que ça c'est, comme je vous l'ai toujours dit, c'est des petites mises en bouche, voilà, c'est des enceintes qui sont nouvelles, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, voilà, j'avais envie de vous les comparer, de vous faire de vous faire des présentations, tout ça. Donc maintenant je pense que j'en ai fait le tour et je vais pouvoir passer à autre chose. Par contre, sachez bien que les Serwin Vega, par contre, elles, je risque vraiment de les garder, car elles ont vraiment un super son. D'ailleurs, il faut que je fasse les comparatifs avec les Magna Transpulse et les Infiniti SM255, qui est aussi un très bon son. C'est très. Enfin, franchement, elles ont quelque chose. Désolé si je parle avec mon nez, parce qu'avec les allergies en ce moment, c'est pas top. J'arrête pas d'éternuer. Enfin, c'est pas cool. Mais bon, dans tous les cas, je reste à la baraque, hein. Comme tu le sais, avec ma belle entorse. Ma belle entorse. Donc là, les gars, je vais vous passer un petit morceau de rock. Enfin, rock blues. Je vous passe comme d'habitude, là, depuis 2-3 vidéos. Je crois que je vous ai fait des beats instrumentales sur différents genres. Comme ça, vous verrez vraiment qu'est-ce qui en découle sur les deux enceintes. Donc, il n'y a pas de voix. Et voilà, vous allez voir un peu ce que ça donne. Et on va commencer avec quelle enceinte? Ah, bonne question. Merde alors. Attends, les gars, j'ai trop de choses à vous dire. Franchement, j'ai trop de trucs à vous dire. Bon, c'est compliqué, hein. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ah, j'ai besoin de vous dire des choses. Mais bon, on verra ça plus tard, les gars. On verra ça plus tard. En attendant, on fait le test entre les deux avec du rock blues. Et c'est parti. Thank you.
pochette, juste sur le dernier morceau. C'est incroyable, hein, les différences qu'il peut y avoir. Ah, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, parce que franchement, tu vois, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, les gars, c'est que est-ce que tu vois un petit peu la bon. Depuis le début, tu sais très bien ce que je t'ai dit sur les Eltax, que voilà, je trouve qu'elle marche très bien sur des instrus, mais dès qu'il y a les voix, pam, ça part en couille, ça part en couille. Alors, donc, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Au niveau de la fusion des registres entre le médium, l'aigu, et surtout les voix, parce que les voix, c'est ce qu'on entend le plus dans une musique, et est-ce que tu vois que cette fusion-là, justement, elle est pas bien retranscrite sur les Eltax, parce que quand tu regardes, quand on écoute juste des instrus, ça se passe plutôt bien, enfin c'est pas mal, faut pas se le nier. Après elles ont quand même un sacré impact, elles ont pas mal d'impact, et aussi c'est des enceintes qui demandent à être exploitées dans des grandes pièces, voilà, comme vous le savez, parce que regarde là tu vois, je suis quand même assez je suis beaucoup plus loin que d'habitude, là je te dis 4-5 mètres de distance, donc forcément tu peux plus pousser et sans avoir de, on va dire, de fatigue auditive qui va arriver, mais bon, tu as toujours ce, tu sens quand même qu'il y a quand même le problème médium aigu, mais c'est plus on va dire c'est ouais voilà, c'est plus atténué, même si ces enceintes là voilà, tu sais très bien que c'est pour t'amuser, voilà, c'est tu prends ton plaisir, voilà. Enfin, de toute façon, vous le savez, les gars, c'est des enceintes pour le plaisir, les Maniat et les Eltax. Faut pas aller partir dans des délires audiophiles, acoustiques, tout ça, parce que vous savez que c'est pas fait pour ça. Mais on prend du plaisir. C'est surtout ça le principal. Surtout à ce prix-là. Voilà, les gars. Allez, ciao, ciao, bisous à vous.